loupi, bon Dieu, papa. Les mots nous manquent, Seigneur. Nous sommes dans l'épreuve. Accepte le silence comme une prière pour notre frère Micheal Memee, que tu connais et que tu aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille le royaume et la paix au royaume. Et que ton amour soit pour nous lumière sur la route. Jusqu'au jour où tu nous reviendras au milieu de toi. Thank you.
Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne fête et soeur, bon après-midi. Bon après-midi, mon père. Mon welcome zot dans sa célébration du funérail service de notre frère Micheal Memee. Et dans sa occasion, mon welcome tout bonne autorité présent ici, en particulier mon frère Mériton et son Excellence le Président de la République. Soyez la bienvenue pour ce moment de tristesse pour accompagner la famille. Et ensemble, nous pour prier et aussi nous pour encourager la famille Memee pour que notre frère Micheal y repart dans la paix, dans la joie, vers le Seigneur, vers notre village et vers le royaume des cieux. La parole, bon Dieu, qui nous peut écouter, il peut donner nous la foi à la résurrection et le courage de bien nous séparer avec notre frère. Méditons et prions avant de continuer notre célébration. Maintenant, nous ranimons cette flamme près de Micheal, cette flamme qui vient de nous, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. On invite Dieu, membre de la famille, pour venir à Dieu de sa part de l'âme, de la vie, s'il vous plaît. Maintenant, Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous, que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour notre frère Micheal et pour chacun de nous. Bonne fête de soeur, maintenant nous pouvons implorer la miséricorde, bon Dieu, qui Jésus, notre Seigneur, y efface et y purifie notre frère Micheal et pour nous tous ici présents. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mon bon frère et soeur, mon père invite les autres à nous assiser pour écouter sa première lecture.
reading from the Book of Wisdom, chapter 3, verse 1 to 6 and 9. The souls of the virtuous are in the hands of God. No torment shall ever touch them. In the eyes of the unwise, they did appear to die. Their going looked like a disaster. They're leaving us like annihilation. But they are in peace. If they experience punishment as men see it, their hope was rich with immortality. Slight was their affliction. Great will their blessings be. God has put them to the test and proved them to be worthy with him. He has tested them like gold in a furnace and accepted them as a holocaust. Those who trust in him will understand the truth. Those who are faithful will live with him in love. For grace and mercy await those he has chosen. The word of the Lord. Thanks be to God. Mais nous débutons par acclamation l'évangile.
pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus raconte sa parabole. Royaume des ciels est capable de comparer avec 10 jeunes filles qui prennent de la lampe pour aller rencontrer nouveau marié. 5 parmi sa bonne jeune fille, ti folle, et 5 ti sages. Sa 5 qui ti folle, ti prends de la lampe, mais autres pas ti emmène en réserve de l'huile avec autres. Mais sa 5 fille qui ti sages, ti emmène en réserve de l'huile avec autres la lampe. Nouveau marié, ti tardé pour arriver. Alors, zoti assoupi et zoti dormi. Dans midi et la nuit, zoti entendent crier. Nouveau marié n'arrivé, sorti, alzoen li. Alors, tout sa bonne jeune fille t'y levé et prépare zoti la lampe. Sa bonne fille folle t'y dit avec sa bonne qui sase. Donne-nous un peu de l'huile, à cause nous la lampe péteigne. Mes bonnes filles sages t'y répondent. Non, pas pour en assez, pour nous et pour autres. Al plutôt acheter de la boutique. Le temps qu'ils ont tiné à l'acheter de l'huile, nouveau marié t'y arrivé. Bonnes jeunes filles qui t'y paraît, t'y entré dans festin, mariage. Et la porte s'y gagne fermé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivaient. Ils t'y criaient. Seigneur, Seigneur, ouvre la porte. Nouveau marié t'y répond. Mon dis autres, ça est la vérité, mon pas qu'on autres. Jésus t'y ajouté. Alors veillez à cause de pas connaître ni qui joue ni qui l'est. En nous acclame parole Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. À nous assiser, mon bon frère et soeur. Comme mon disant, c'est nos frères Micheal Memee qui rassemble nous ce vendredi 8 septembre. 8 septembre pour ban chrétien catholique. Il est très important. Nous pouvons célébrer dans l'église la nativité de la Vierge Marie, la maman bon Dieu. Marie qui gagne et la grâce spéciale. Vini bon Dieu, pour que son fils qui pour né sauveur du monde, il pour un enfant sans péché. Et aussi, c'est ça la date que notre frère Micheal Memee peut retourner dans le village bon Dieu, dans nos royaumes bon Dieu. Et pour sa raison, on prend ça l'exemple. Comment nous pouvons comparer le royaume bon Dieu aujourd'hui?
C'est Mathieu, il donne nous l'exemple de 10 filles. 5 autres étaient sages et 5 autres aussi étaient insensées, folles. Toute la nuit, ils ont pu veiller pour espérer sa nouveau marié qui peut venir pour un grand festin. Qui est arrivé, milieu de la nuit, la cloche, il gagne sonné, bon, 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 bon. Nouveau marié, il peut venir. Et maintenant, c'est le temps pour aller allumer la lampe, pour aller rencontrer mon nouveau marié. Bonne 5 filles prévoyantes, sages, doit aller allumer la lampe avec beaucoup d'huile. Ce qui était folle, il n'y avait pas de l'huile. Qu'ils ont pu dire, donnez-nous un peu de l'huile, s'il vous plaît, pour que nous aussi nous allumions la lampe. Oh, nous préparons l'arrivée de nouveaux mariés pour la fête. Vous n'en avez pas? Allez-y, achetez dans la boutique alors de l'huile pour que vous gagniez le temps avant que nouveau mari arrive. Quand vous êtes allé, nouveau mari arrivé, vous êtes entré, fait 5 conseils. Boum, 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 boum. Ça, les 5 folles arrivaient à la porte. Nouveau mari dit, mais vous pas connu autres. Non, nous dans la liste, protocole, il dit, nous venons. Non. La fête commence, est finie de commencer. Alors, ça l'évangile pour moi, il peut donner nous l'occasion de réfléchir. Comment nous peut espérer nous rencontrer avec nos bon Dieu, avec leur Seigneur, le jour de nos départs. À l'exemple, aujourd'hui, Michael peut faire leur rencontre avec le Seigneur. Est-ce que nous, la lampe, est toujours pareil pour aller rencontrer le Maître? Jésus, à la fin, il peut dire non. Nous ne connaissons pas ni le jour, ni l'heure, quand le Maître il peut arriver. Et nous ne connaissons pas aussi le jour que le Maître il peut espérer nous, il peut rencontrer nous, la rencontre avec le Maître. Les sages seront prêts pour aller rencontrer le Maître. Même les non-prévoyants, les non-sages et les folles, ils seront prêts, mais ils seront distraits. Soyons parmi ceux qui seront dans le groupe des 5 sages pour aller rencontrer notre Maître et pour avoir une bonne rencontre, un bon jugement. Aujourd'hui, Michael, lui, il finit pour lui. Mais pour nous, les vivants, posons-nous cette question ce soir, ou bien à la fin de cette journée, est-ce que je suis prêt? Est-ce que le jour où le Seigneur viendrait me chercher, je dirais je suis prêt ou bien je ne serai pas prêt? Moi, toujours dire, si nous connaissons le jour de notre mort, ok, des mounis pour rester dans ces chelles pour se rester avec tortues et poissons. À cause de nous pour tailler, on peut dire, ah Seigneur, mon pas prêt, hein? Oh Seigneur, mon pas prêt. Mais nous devons être prêts parce que Saint Paul nous dit, nous sommes bonne pèlerins ici dans la terre. Nous sommes appelés de retourner quand nous sortir. Et le psalmiste dira, un jour on naît, un jour on grandit, un jour au travail, un jour aux grands enfants, et un jour au peu et nous peu comme le jour de notre naissance.
À la naissance, un des mondes qui lave nous. Et le jour de notre mort, un jour il pour lave nous, un jour il pour nous mettre bandrap pour aller. À cause, nous sommes des passagers. Alors, prions, mon bon frère et soeur, pour notre frère Micheal, que bon Dieu, il donne lien, ça, l'Esprit Saint, avec tout bon frère et soeur qui peut monter aujourd'hui, que le Seigneur y rencontre autres dans la bonne rencontre. Et aussi, que la famille m'aimait et ben, toute la famille en alliance, il gagne aujourd'hui aussi la paix et la joie dans la séparation. Prions et aussi prions pour nous, frères et sœurs, dans l'humanité qui peut passer un moment difficile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon bon frère et soeur, maintenant nous pour debout pour l'intercession à la prière universelle. Avec la force de ton amour, donne le courage de surmonter la douleur de la séparation et de vivre dans l'espérance, de la retrouver un jour celle qu'ils aiment. Je juge, j'ai confiance en toi. For the family of the bereaved here in the UK, that you give them strength and comfort during this time of sorrow. Jesus, I trust in you. Should prepare for this glorious encounter with you in faith. Jesus, I trust in you. Hey,
les hommes et les femmes de ce temps. Permets que la prière de ton Église, en particulier la prière de cette communauté, serve au salut des frères et sœurs qui sont hantés de partir, en particulier pour notre frère Michael, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. S'il vous plaît, à nous assiser. Moi, j'invite quatre messieurs, quatre hommes, pour venir ramasser ces quatre baskets pour récolter bonnes offrandes de la paroisse pour bonnes dépenses et merci pour vos donations. Bonnes hommes, s'il vous plaît. Quand les ciels couvrent
Mon bon frère et soeur, à nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont partis, car tu as permis que notre frère Micheal Memee, qui nous a quittés, soit cet après-midi celui qui nous rassemble. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints, en frères et sœurs, nous prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Even though a loved one is gone, those we love can never be more than a thought apart. For as long as there is a memory, they live on in our hearts, but I will hold the memory of Mike close to my heart for the rest of my days. May your soul rest in eternal peace. Your brother-in-law, Frankie. I would like also to call Mr. Vincent Mériton to say a few words. Thank you. Je voudrais qu'on est parmi nous, présence président de la République. Monsieur le Président, bonjour. Mike tient un sourire qui, si vous avez les autres livres, vous pouvez comprendre. Un sourire qui est là où vous avez tenu au regard et pas où vous avez. Un sourire qui en mesure où vous avez, comme si vous pouviez une mélodie sortir de la corde guitare et l'instrument qui est content de jouer. En anglais, Mike tient un sourire qui nous appelle unmistakable, un sourire qui est pour lui-même. Mon compte Mike en 1982, juste avant mon quitte National Workers Union pour moi faire mon étude de l'Union soviétique. Mike tient un permanent négociateur dans National Workers Union. Un permanent négociateur, il y a un officier qui a négocié un cas qui est compliqué, un cas qui est complexe, un cas qui est. Il y a une quantité de travail impliqué avec une quantité de caisses. Il y a des gens qui sont capables de négocier. Plus tard, Mike a gagné une promotion pour devenir secrétaire national. L'AMC France Bonté, qui a occupé la position de secrétaire national, a fait son étude en Angleterre. Mike tient des gens tranquilles. Il parlait ou a dit trop tranquille pour un trade unioniste qui supposait et revendique droit travailleur. Mais pas veut dire qu'il, à cause du tranquille, qu'il n'est pas capable de mettre son monde point à terre. Dans la négociation avec mon employeur, comment permanent négociateur, comment secrétaire national, National Workers Union, Mike t'y gagne son kiss de la force, l'argument et persuasion, et il n'a pas besoin de crier avec personne ou bien taper coup de poing de la table. Mike tient des gens disciplinés. Il y a des gens qui sont tout le temps à l'air, et des gens qui sont droit. Et tu fais ainsi que tout ce monde travailleur, tout ce monde secrétaire secteur, tout le monde secrétaire dans le bureau et tout le monde les autres staff qui suivent son exemple. En effet, c'est lui qui introduit sa système debriefing beau matin. Pour tous les grands matins, nous t'y joignons. Pour qu'on ait qui bon secrétaire secteur il fait son la veille et qui autre pour faire pour ça la journée. À cause de Côte Union, 4 jours ou le terrain, 1 jour ou faire rapport. Il a besoin qu'on ait côté ce monde officiel y aller, qu'ils autres partisissent disparaître. Les temps où tu peux étudier, Mike tu dirige la première délégation Union pour faire un cours à l'Union soviétique. Avec lieutenant M. Nicole Douglet, M. Rock Henriette, Mme Marguerite Rook et M. Denis qui tient Shop Steward côté tracking session la misère. En dehors du travail, passion Mike, c'est hockey. Il est vraiment un fanatique de sa sport.
il a toujours trouvé le temps pour pratiquer et jouer hockey. C'était pendant sa visite qu'il a fait l'Union soviétique qu'il a découvert ice hockey. Et de suite, il a émerveillé. Mon rappel, là, il a fini son course la journée, il a juste devant la télévision pour que tout ça soit un match. Et là, ici, il y a une quantité de matchs hockey. Il a même organisé un jour pour visiter un stade côté là, il jouait hockey. Et mon quoi, si c'est possible pour lui rester l'Union soviétique pour lui jouer hockey, il faut le faire. Sorti Union, Micheal Colstrain. Il t'emmène avec lui sa même discipline qui s'est développée dans Union et continue à assurer qu'il n'a pas juste droit travailler, il gagne protégé, mais qui aussi autre performance et à la hauteur dans l'industrie du tourisme. Mais à part qu'il travaille avec hockey, Mike tient un grand amour pour son pays. Ça t'y reflète dans son responsabilité et patriotisme. Mike t'y aussi dans militia. Il t'y sacrifie son ennui pour veiller qui peut passer en mesure que nous t'y peut dormir. Et grand matin, là, il sortit l'obit, il vient dans la cause, il se baigne sans eux et il travaille. Tu comprends qu'il te dit, mon Mike, t'y était. Pour Linda, pour ses bons enfants et famille proche Mike, restez fiers que Mike fait son contribution dans la prothèse droit travailleur et la justice sociale. Lola part, tout bon trade unioniste qui est là avec moi, Nicole, Marinella, Jeffrey, et aussi bon qui n'est pas là, particulièrement nos vétérans, M. Raymond Clarisse, M. France Monté, M. Shelton Jolicoeur, M. Georges Constance, M. Georges Florentine, Henri Charles et les autres encore, nous sommes contents, passe-nous notre condoléance. Nous pouvons dire à Dieu, pas dire un papa, pas dire un frère, pas dire un cousin, mais aussi un patriote. Un travailleur qui est discipliné et donne tout. Nous pouvons dire à Dieu, un sportsman, Adam. À Dieu, Mike, que l'âme y repose en paix. Merci. Après tout ce bon témoignage, on peut inviter les autres pour chanter sa chanson après témoignage. À nous chanter, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. En bas la baronne, ils le sont Lili, là nous la sommes, ils pour un homme.
est tout vide, qui personne a pour capable remplir. Nous plaît où aller, même si nous connaissons qui compte où était. Tout pour oublier bien sa mon dernière parole. Nous pour continuer, même si nous pas là, nous connaissons pas loin. Vous êtes nous ici, là si bas. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Micheal. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ victorieux de tout mal triomphera de la mort. Aujourd'hui, Micheal est silencieux. Alors, on peut inviter chacun de nous pour nous, par respect pour lui, pour nous garder un temps de silence. Pour nous imaginer ce qui était pour nous, ce qui était pour bon Dieu, ce qui était pour l'Église. C'est pour nous entrer dans le silence, nous capables aussi de baisser nos regards et faire nous liser. À nous faire un temps de silence avec Mike. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prends nous chant. Sous-titrage Société Radio-Canada.
l'odeur et que la fumée l'encens y est un symbole, y est un signe. L'odeur et l'encens y donne bon l'odeur et la fumée monte en l'air. Ça y exprime nous la prière, nous bonne intention, mais aussi la vie nous bien-aimés qui Seigneur y accueilli dans son majesté. Pour rappeler nous, nous l'espérance.
baptisé, s'il vous plaît. Avant nous finissons nos cérémonies, notre célébration du funéraire service, on passe le micro à son Excellence le Président pour donner les condoléances à la famille. Merci beaucoup. Et moi, je vais content exprimer avec Linda et avec tous ses enfants, avec toute la famille, tout mon frère Mike et la famille Mémé, mon sincère condoléance. Bien sûr, Mike. Comme un membre de la famille, nous connaissons, nous grandissons, nous passons un bon moment ensemble. Nous passons aussi un bon moment la tristesse ensemble. Et là, mon mazine, spécialement pour la famille Mémé, quand pendant sa bonne dernière année, nous disons au revoir, Monsieur Mémé, et mon corps appelé dans l'air, en salette. Nous aussi dit à nos soeurs, au revoir. Et alors, mon vie, dit avec autres qui, avec autres dans la prière. Les temps où une cause le hockey, bien si, mon petit regarde Mike joue hockey. Mon petit joue hockey avec Mike. Nous petit joue contre camarades. Et en même temps, dans le national team, nous petit joue ensemble. Alors, c'est un bon moment quand nous avons sa détermination et Mike tient un bon joueur hockey même. Et au fait, c'était sa génération qui, aujourd'hui, la moi, bon joueur hockey. Moi, je connais la famille Mémé, Mike qui s'amène zot dans hockey. Nos meilleurs goalkeepers, national team et ben les autres. Donc, nous passons un bon moment. Et c'était, par exemple, on peut dire, sa génération qui vraiment fait sa game, qui est connue parmi beaucoup nos bonnes CCLOI. Dévotion Mike, que son travail concerné, bien sûr, c'est extraordinaire. Il a dit, et je n'ai pas envie de répéter, mais seulement ça, il a réalité, il a vie. Mike, c'est un homme qui a une discipline sérieuse. Et Mike, c'est un qui t'envoie ce qui est meilleur pour son enfant. Définitivement, il est content de son bon enfant avec un profond amour. Et alors, nous pouvons aussi imaginer comme ça. Donc, proverbe, il dit, poème, il dit, écoute, pas besoin de rôder pour que la cloche puisse sonner. Le temps où la cloche l'enterrement qu'on a eu personne pour vous, à cause de nous tous nous impensons à la route. Donc, nous pour mars avec sa bonne bon souvenir, Mike. Nous pour mazini Paris, sa zombie qui nous t'y connaît. Et nous pas mazini dans maladie. Nous pour plutôt mazini Mike comment un homme solide, un homme qui tient dans son principe et un homme qui t'y masse d'après son principe. Bon, pour tout le temps, Mazine Lee, son scooter, puis le son moteur, plutôt, il est parti de scooter, les 20 semaines qui m'ont scooter. Mike, le son moteur, puis elle travaille, Coral Strand, l'état, on peut drop Linda, moi, à Mike, puis soit il peut monter, soit il peut descendre. Alors, Mike, on vit avec vous, merci beaucoup pour tout ça qui vous était. Merci beaucoup pour l'amitié, merci pour l'amour pour vos enfants, pour l'amour pour Linda et pour sa témoignage qui, ou même, ou ne quittez pas parmi nous. Nous disons avec vous, merci beaucoup. Et jusqu'à qui nous joigne, adieu. Et nous connaissons qui vous dit où la foi, il fait qui, ça saisit qui nous tourne nous content. Il finit par préparer une place pour vous. Alors, sinon, demandez-vous pour mettre un petit parole pour nous. Pour qu'il est en nous aussi, tout nous l'est arrivé. Nous avons gagné un petit ensemble là-bas, on l'a écouté. Au revoir, Mike.
we love you. We loved you in life. We will always love you. Amen. Alors, nous pouvons debout, s'il vous plaît. Nous pouvons prendre ça à la prière qui avons tu fait dehors avec Covid. Nous faisons ça à l'intérieur, ici, dans l'église même. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du fouet de l'enfer, et conduisez toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Qui, par la miséricorde de bon Dieu, l'âme de notre frère Micheal Memee se repose dans la paix. Amen. Qui, par la miséricorde de bon Dieu, l'âme de notre frère Micheal Memee se repose dans la paix. Amen. Qui, par la miséricorde de bon Dieu, l'âme de notre frère Micheal Memee se repose dans la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière. Pour ceux qui pleurent, toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre frère Mike de toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que notre frère Michael soit séparé de toi, puisque ton amour est plus fort que la mort. Toi qui vis avec le Père dans l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et avec votre esprit. Goodbye and au revoir.
So hold me in your dreams, so like